<laughs> euh, ouais, du coup, j'allais justement, j'allais dire. Donc, bonjour à tous et bienvenue euh, à cette réunion qui, euh, dessine, qui est destinée à vous préparer à votre mobilité en Amérique latine l'année prochaine. Donc déjà félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés pour un, pour un départ en Amérique latine. Je vais commencer donc euh, par rappeler les contacts, euh, vos contacts au sein du service DRI. Donc euh, déjà la coordinatrice administrative, euh, ce sera moi. Donc il faudra vous adresser à moi pour tout ce qui est euh, démarches administratives. Je suis avec Julie Pontvianne, qui est la, la responsable académique de l'Amérique latine. Ensuite, pour tout ce qui est attrait aux bourses, il faudra vous adresser à Annick Ferry. Pour les aspects euh, pédagogiques, notamment, vous avez également des, des contacts au sein de vos facultés. Donc, pour l'IAE, il faudra vous adresser à Magali Molina. Pour la faculté de droit, ce sera à Charlotte Morin. Pour la faculté des Lettres et civilisations, ce sera à Virginie Chal. Euh, pour l'histoire géo, pour les lettres modernes, moderne, ce sera Florence Godot. Et pour l'Infocom, ce sera Virginie Schall également. Pour la faculté de philosophie, c'est Jean-Baptiste Joannet. Et pour la faculté des langues, ce sera Jacqueline Pancini. Alors, avant le départ, qu'est-ce qui va se passer maintenant Maintenant que vous avez été affecté, vous avez eu votre affectation, vous, vous partez en Amérique latine, mais avant tout ça, il y a beaucoup d'étapes. La première, c'est. La nomination auprès des universités partenaires. Donc ça, c'est moi qui vais le faire. Je vais vous nominer les uns après les autres au sein de votre université partenaire. Suite à cette nomination, vous allez recevoir, en général, un mail de la part de l'université partenaire qui va vous indiquer donc la suite des démarches à effectuer, comment constituer votre dossier de candidature, et éventuellement des informations sur le logement. Euh, comment ça se passe s'il y a des résidences universitaires. Vous allez également avoir toutes les informations liées au calendrier de rentrée et éventuellement quand va se passer les, les semaines, les jours d'intégration et même parfois il y a des séjours linguistiques avant le départ qui, sont, qui peuvent être proposés. Euh, et ensuite vous recevrez les catalogues de cours. Donc des fois ils vous les envoient c'est un PDF, des fois c'est des liens. Donc voilà c'est vraiment euh, au cas par cas selon les universités ça, ça change d'université à l'autre. Voilà, vous recevrez donc toutes ces informations. Une fois que vous aurez toutes ces informations, la première des choses à faire, notez bien la deadline d'envoi de, de, de l'application form. Donc, pour constituer tout votre dossier de candidature, les deadlines, ce ne sont pas les mêmes d'une université à l'autre. Donc, la première des choses, notez-la, parce qu'il ne faut pas la dépasser. C'est pas, pas parce que nous on vous a sélectionné que vous partez forcément. L'université d'accueil, elle est en droit de vous refuser. Donc, il faut bien respecter les deadlines. Et tout ce qu'ils vous demandent. Donc, ils, ils vont étudier également votre dossier. Donc, vous constituez votre dossier de candidature selon donc, ce qu'ils vous demandent. Ils peuvent éventuellement vous demander euh, notamment les, vos notes qu'il faudra traduire. Donc, là, dans ce cas-là, vous, vous m'enverrez un mail et moi, je, faudra les, vous aurez à les traduire. Et c'est moi qui les vérifierai, qui les signerai. Ouais, pour toutes ces choses-là, n'hésitez pas à m'écrire. Une fois que vous aurez euh, fait tout ça, vous avez aussi la réception des lettres d'acceptation pour les demandes de visa donc soit aux relations internationales soit directement chez vous. Donc une fois que vous aurez <coughs> été accepté par l'université d'accueil. il y aura donc toutes les démarches de visa à faire ensuite. Euh, en parallèle de tout ça, vous, vous devez constituer vos dossiers de bourse donc ne contactez pas tous euh, Annick Ferry dès maintenant. Elle va vous envoyer un mail avec toutes les informations nécessaires fin mai, début juin. Donc, ça ne sert à rien de la contacter dès maintenant. Euh, elle vous écrira et vous aurez vraiment toute la procédure. Pour rappel, vous avez accès aux bourses de la région Auvergne-Rhône-Alpes et également aux bourses AMI. Donc, ça, c'est seulement pour les boursiers du CRUS. Les deux aides sont bien cumulables. Par contre, euh, les étudiants en certificat de professionnalisation de l'IAE ne sont pas éligibles à ces bourses. Donc avant le départ, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez notamment évidemment choisir vos matières. Donc ça, il faut aller. Donc pour rappel, vous, vous validez bien un diplôme de Lyon 3. Donc l'idée, c'est d'aller choisir des cours qui seraient équivalents aux cours que vous auriez choisi, euh, que vous auriez suivis à Lyon 3. Donc il faudra aller sur les sites des universités partenaires ou éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent des fois vous envoyer un catalogue. Vérifiez bien quand vous faites votre choix de matière que ce sont des cours accessibles aux étudiants en échange, parce que certains cours sont accessibles seulement aux étudiants euh, locaux. Donc, euh, ça, vérifiez bien. Si vous avez un doute, demandez à l'université partenaire. Une fois que vous avez fait votre choix de matière, il faudra le faire valider par donc, la personne de contact dans votre faculté. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera euh, Magali Molina pour l'IAE. Euh, et notamment Jacqueline Pansini pour, pour la fac des langues. C'est les contacts que j'ai donnés en tout début de, de présentation. Donc, vous devez valider 60 crédits pour l'année, ce qui est et donc 30 par semestre. Donc, faites attention, parfois, il peut y avoir des cours payants. Une fois que vous avez fait votre choix, vous le faites valider par le tuteur pédagogique. Et juste, je précise que les, les, choix, les cours que vous choisissez avant votre, euh, avant votre départ, ils peuvent être amenés à bouger une fois sur place. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément un choix définitif. Parce que des fois, quand on arrive sur place, il y a euh, des problèmes de correspondance d'emploi du temps, il y a des cours qui ne sont plus disponibles, etc. etc. Donc c'est un pré, une présélection, on va dire, que vous faites valider, mais ça peut être amené à bouger. Il faut bien que vous en ayez conscience. Alors, il faudra donc comme j'ai dit c'est un diplôme de Lyon 3 que vous validez. Donc vous n'êtes pas seulement inscrit à l'université partenaire, vous êtes également inscrit à, à Lyon 3. Il faudra bien attendre notre feu vert pour vous inscrire, ce sera début juillet. Vous faites bien l'inscription pédagogique et l'inscription administrative. Vous ne payez pas les frais d'inscription à l'université d'accueil. Pour euh, ce qui est de votre assurance santé, vous avez euh, Parfois, donc il y a des assurances obligatoires au sein de l'université partenaire, ou alors vous pouvez souscrire à une mutuelle, un PAC Monde, enfin, il y a plein d'options possibles, ça c'est à vous de vous renseigner. Pensez à vous inscrire sur le fil d'Ariane et pensez bien en amont à toutes les questions pratiques sur place. Donc, évidemment, c'est vérifier que vos pièces d'identité soient à jour, qu'elles soient valables, faites bien toutes vos démarches de visa dans les temps. Euh, pensez euh, à l'argent aussi, euh, pour sur place, est-ce que euh, vous euh, souhaitez euh, garder euh, votre compte bancaire français, comment ça se passe, euh, etc. etc., etc. Euh, votre contrat internet, téléphone, toutes ces, toutes ces questions d'ordre pratico-pratique qu'il va falloir gérer sur place, vous pouvez commencer à y réfléchir dès maintenant. Donc, il faudra ensuite vous inscrire auprès de l'université d'accueil. Donc, ça, c'est avec eux. Il faudra le voir directement. Chaque inscription et chaque procédure dépend de l'université. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux en mettant en copie, en leur demandant si vous avez des doutes sur comment ça se passe. Euh, donc, pour tout ce qui est des, des démarches administratives, mais c'est eux qui vous accompagneront principalement. Ensuite, donc comme j'ai dit tout à l'heure, votre choix de cours que vous avez fait avant de partir, il peut, être, il peut être amené à bouger parce que quand on arrive sur place, des fois, les deux cours qu'on voulait, ben en fait, dans l'emploi du temps, ils sont en même temps. Il y a des cours qui sont plus disponibles, il y a des cours qui étaient accessibles en priorité aux étudiants locaux qui du coup sont plus disponibles. Donc vérifiez tout ça et après, si vous voulez modifier, vous pouvez évidemment changer votre choix de cours et il faudra le refaire valider par votre tuteur. Il faudra penser à envoyer euh, vos documents pour les bourses à Annick Ferry, donc votre certificat d'arrivée, votre certificat de présence. C'est très important parce que c'est indispensable pour que la bourse soit versée. Donc, faites bien signer vos certificats d'arrivée de présence. Alors, ça, c'est valable pour votre mobilité. Donc, tout au long, si vous nous écrivez, à chaque fois, reprécisez. Vous êtes nombreux, vous êtes des centaines. Donc, on ne vous connaît pas tous par cœur. Donc, pensez bien, quand vous nous écrivez, ça nous fait gagner beaucoup de temps à pas seulement vous de, nous donner votre nom-prénom, mais aussi votre numéro d'étudiant, l'université dans laquelle vous êtes, la faculté de laquelle vous dépendez. Ça, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Ça nous évite de revérifier à chaque fois et parce qu'encore une fois, on ne vous connaît pas tous par cœur. Au bout d'un moment, si, mais là tout de suite, non. Euh, donc, et soyez patients. Pourquoi Parce que souvent... Par période, en fait, vous nous écrivez souvent un peu tous en même temps, ce qui est normal parce qu'il y a des périodes où vous avez besoin de, des mêmes documents à signer, etc. etc. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'anticiper au maximum. Dès que vous voulez quelque chose, ne nous envoyez pas un document à signer le jour même. En fait, nous, on pas forcément, euh, ce sera pas forcément possible. Donc, anticipez et soyez patient. On vous répondra peut-être pas le jour même. Encore une fois, vous êtes très nombreux. Et il y a des périodes un peu plus de rush où là, ben, quand vous êtes. Vous nous demandez tous la même chose en même temps, on ne peut pas être euh, très réactif malheureusement. Donc voilà, précisez, reprécisez bien tout dans le mail à chaque fois et soyez patient et restez connecté. Pour ce qui est du versement de la bourse, donc pour la bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 75% avant et ensuite vous aurez les 25% à la fin. Et pour les bourses AMI, là, c'est un peu plus spécifique, ça dépend. Si c'est un départ au semestre d'automne, vous avez un versement en janvier. Si c'est un départ à l'année, vous avez un ou deux versements, donc en janvier et ou en avril. Et si c'est un départ au semestre de printemps, vous avez un versement en avril. Pour les relevés de notes, donc ça, ce sera au retour de votre mobilité. Donc, On va recevoir vos relevés de notes ORI. Attention, il y a certains partenaires qui, qui ne l'envoient pas et c'est à vous de le demander. Donc euh, si, euh, si c'est vous qui avez votre, votre relevé de notes, il faut bien nous le transmettre. Ensuite il faudra bien transmettre votre relevé de notes à la personne de contact dans votre fa faculté afin qu'il soit euh, converti et traduit et ensuite on, on vous le on vous le renverra. Euh, pour ce qui est des bourses, vous aurez bien le versement le deuxième versement donc les 25% une fois qu'on aura eu vos certificats de présence signés après enfin, en retour de votre mobilité. Alors, il y a deux choses qui ont été mises en place pour le, pour vous accompagner dans votre retour de mobilité. La première, c'est un groupe ce qu'on appelle des groupes d'atterrissage. C'est un espace où vous allez pouvoir échanger avec les autres étudiants qui sont en retour de mobilité qui ont partagé une expérience similaire à la vôtre. Ces groupes d'atterrissage ils seront encadrés par des psychologues qui vont permettre de vous guider dans vos réflexions et qui vont donc permettre une bonne gestion du groupe. Ça voilà, ça va vous permettre d'échanger sur votre sur votre expérience avec euh, avec d'autres étudiants et je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, il y a ces groupes qui sont euh, possibles à votre retour si vous le souhaitez. Et le deuxième atelier qui a été qui a été mis en place, ce sont des ateliers de valorisation où là le but c'est d'apprendre, de voir comment je vais pouvoir valoriser en fait mon, mon Erasmus, enfin ma mobilité à l'étranger sur mon CV, dans mon parcours professionnel, au cours d'un entretien d'embauche, faire ressortir quelles sont les, les compétences informelles que j'ai acquises au cours de, de mon expérience, parce qu'on acquiert, au-delà de l'aspect pédagogique évidemment, on acquiert beaucoup, beaucoup d'expériences, de, de compétences informelles qu'il faut savoir valoriser sur un CV. Et comment comment on le, on le met en place Comment je le valorise Comment j'en parle euh, lors d'un entretien d'embauche C'est toutes ces questions-là qui vont être abordées au cours de ces ateliers de valorisation. Donc, je vous invite à y participer euh, à votre tour. Ils sont là, ils sont là. Donc, on passe maintenant aux informations un peu plus pratiques qui concernent donc la, la zone Amérique latine. Je vais laisser la parole à, à Julie Pontvienne. Merci Aurélie pour toutes ces informations. Oui, a priori. Donc d'abord, félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés euh, en cette année, ce contexte bien particulier. Donc, euh, quelques informations pratiques sur votre séjour d'études académiques en Amérique latine. Donc, d'abord, bien faire attention, mais a priori, vous le savez parce que vous vous êtes renseigné sur les destinations. Donc, il y a certaines destinations, surtout celles qui se trouvent dans le cône sud. Donc, je pense euh, à trois pays en particulier l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. Vous savez qu'en général, euh, vous commencez, en fait, les semestres sont inversés, vu que c'est le cône sud. Et donc, vous allez commencer par leur semestre 2 et ensuite, vous passerez, vous, faites, vous ferez le semestre 1. Ce qui implique que vous allez commencer les cours plus tôt que ce que vous auriez fait à Lyon 3 si vous étiez resté. C'est-à-dire qu'on est sur un début de calendrier académique pour un semestre 2 en Argentine, au Chili ou en Uruguay qui débute au mois de juillet. Donc attention à bien prendre vos dispositions par rapport à ça. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont anxieux par rapport à l'achat du billet d'avion, mais comme toutes les années, et ça ça fait des, des, des années que ça dure, ce n'est pas que lié au contexte pandémie, contexte spécial, etc. C'est euh, en général, on conseille aux étudiants pour l'achat du billet d'avion d'attendre la lettre d'acceptation définitive par l'université partenaire. Parce que comme l'expliquait Aurélie, même si on a des accords d'échange de, et même si vous êtes sélectionné de notre côté, la décision finale d'acceptation de nos candidats, elle revient toujours à l'université partenaire. Donc, c'est vrai que dans les années précédentes, on a eu très rarement des refus, mais nous, on ne peut pas anticiper ces refus, même si en général, on, on essaie de sélectionner des étudiants qui sont solides avec les critères requis par l'université partenaire. C'est toujours eux qui ont le dernier mot. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter pour euh, l'achat du, du billet d'avion, sauf si vraiment vous pouvez trouver un billet d'avion qui est 100% remboursable, ce qui peut être le cas parce qu'on est dans un contexte particulier, mais vraiment, faites attention à ça. Et nous, notre recommandation, c'est effectivement d'attendre d'avoir la lettre d'acceptation. Par l'université partenaire, ce qui implique, et on en est conscient, que les billets vont être un peu plus onéreux. Mais c'est vraiment le conseil qu'on vous donne euh, d'expérience, et toutes les années, c'est comme ça, c'est vraiment le conseil qu'on prodigue aux étudiants toutes les années, hors contexte Covid. Euh, en ce qui concerne la méthodologie des cours, alors euh, je ne connais pas euh, particulièrement parce que je n'y suis pas allée et je n'ai pas suivi des cours dans tous les pays de l'Amérique latine. En revanche, je peux vous parler du cas mexicain et de ce qui est, qui est celui que je connais le mieux et le cas colombien parce que j'y ai étudié et j'y ai vécu. Donc vous allez noter une différence au niveau de la méthodologie, ce qui, est, qui sera là, principalement la suivante c'est que en général en Amérique latine, il n'y a pas euh, l'équivalent de nos CM et il n'y a que des, euh, des TD et en général, c'est des TD qui sont beaucoup plus réduits que ceux qu'on peut avoir en première et deuxième année, par exemple à la faculté des langues, c'est l'exemple que je connais à Lyon 3. On part sur des groupes en général de 15, 20, 25 étudiants maximum, donc vous verrez que ça, déjà, c'est une différence notable par rapport aux cours que vous avez l'habitude de suivre ici à Lyon 3. Vous avez aussi une plus grande euh, proximité avec l'enseignant. Donc, ça, il ne faut pas que ça vous choque. Ça va dans la continuité des, des, de la mentalité latino-américaine, du savoir-être et du savoir-vivre latino-américain. Ce qui fait qu'il y a une proximité euh, tout de suite d'emblée avec l'enseignant. Donc, ne vous inquiétez pas s'il vous tutoie. Il va également, certainement, euh, dans la plupart des cas, vous permettre de, de le tutoyer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de respect. C'est simplement que c'est des relations qui sont plus caractérisées par la proximité. Donc, moins de distance. Distance entre l'enseignant et l'étudiant. Donc ça, c'est vraiment agréable. Vous verrez, c'est une autre, une, autre, une autre approche, une autre mentalité, et ça fait partie de l'expérience que vous allez vivre. Euh, ensuite, oui. Donc là, c'est pas le troisième point que vous voyez sur le PowerPoint. Le but, c'est pas du tout de, de vous faire stresser, mais c'est simplement de vous alerter et de vous faire prendre conscience que vous partez quand même sur une zone euh, en Amérique latine où il n'y a pas les mêmes standards de sécurité qu'en Europe, qu'en France. Donc, ce sera très important de suivre les recommandations des locaux, de respecter les consignes de sécurité. Si vous, si vous donnent des conseils de sécurité, parce que je sais qu'ils vous en donnent surtout lors des journées d'intégration, veillez à les respecter. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, quand vous habitez, si vous, êtes, si vous allez à Mexico City, donc, euh, vous savez que cette ville, c'est la jungle humaine, c'est très très grand. Donc, par exemple, je sais qu'à l'époque, ils donnaient un conseil très pratique et j'imagine qu'ils le donnent encore sur les taxis. Il y a des taxis qui sont sécurisés à Mexico. Il y il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est très important. Par exemple, quand vous allez, euh, que vous voulez prendre un taxi, parce que c'est beaucoup moins cher qu'ici, donc c'est possible et c'est euh, très souvent qu'on le fait. Euh, donc surtout, il faudra bien respecter les, les conditions et les instructions de sécurité que vous donne l'université partenaire d'abord et aussi un conseil qui marche toujours peu importe où vous alliez d'ailleurs en Amérique latine ou ailleurs, c'est vraiment suivre les conseils des locaux. Si les locaux vous déconseillent d'aller dans tel ou tel quartier, ce n'est pas la peine de vouloir défier euh, les lois de la sécurité et de dire bah, moi je vais essayer de voir si je peux y aller et qu'il va m'arriver quelque chose ou non. Non, il faudra vraiment respecter à la lettre vraiment les conseils des locaux. Donc, euh, on vous envoie dans des universités, la plupart qui sont privées et d'autres qui sont publiques, dans lesquelles on a un très bon retour des, 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 des étudiants. Tout s'est toujours très bien passé. Donc, il faut encore que ça soit le cas. Et pour ça, il faut être conscient que vous êtes dans des pays où euh, les standards de sécurité ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut vraiment être prudent et faire attention à ce qu'on vous dit. Voilà, donc tout simplement ça, mais je tenais quand même à insister sur ce point. Euh, ce que j'ai déjà mentionné précédemment par rapport à la réception du visa, ah non, alors peut-être pas oui, donc Aurélie, elle vous a dit que euh, la dernière étape, en fait, pour nous en tout cas, de, de cette procédure d'échange, c'est euh, avant votre départ, quand vous recevez votre lettre d'acceptation. Vous la recevez soit au service des relations internationales, soit directement chez vous. Et donc, c'est avec cette lettre, en possession de cette lettre, que vous allez pouvoir faire ensuite vos démarches de visa dans les pays qui exigent un visa étudiant. Parce que, par exemple, si vous partez en Amérique latine pour moins d'un semestre, il y a certains pays dans lesquels, pour moins de six mois, pour un échange d'un semestre seulement, vous n'avez pas, pas besoin de faire un visa. Pour d'autres aussi. Donc, euh, dès réception de, de, de la lettre d'acceptation, oui là, je me suis... Euh, en fait, c'est dès réception de la lettre d'acceptation et pas du visa. Il faut absolument prendre rendez-vous à l'ambassade et pas tarder. Pourquoi Parce qu'on a déjà eu l'expérience, par exemple, l'expérience montre. et les calendriers aussi, que souvent, vous recevez votre lettre d'acceptation un peu tous en même temps. Et il y en a qui, une fois qu'ils ont reçu la lettre d'acceptation, tardent une à deux semaines pour prendre le rendez-vous. Sauf que vous n'êtes pas les seuls en France à vouloir partir au Mexique ou en Colombie. Ce qui fait que parfois... Ensuite, le calendrier de rendez-vous de l'ambassade est rempli et il y a certains étudiants qui nous ont déjà écrit pour nous dire bah ⁇ Voilà, moi j'ai reçu ma lettre, j'ai pris rendez-vous et je n'ai pas de rendez-vous avant septembre. Or, je dois être mi-août en Colombie. Donc vraiment, anticiper, ça c'est important. Euh, vous laissez pas gagner par le temps dès que vous avez la lettre d'acceptation. Dès qu'Aurélie vous contacte pour vous dire ⁇ J'ai reçu votre lettre d'acceptation ⁇ vous prenez immédiatement rendez-vous sur la page euh, du consulat du pays concerné, si vous avez besoin d'un visa, évidemment. Euh, et à l'arrivée, je pense notamment au cas de la Colombie, souvent vous avez des démarches, des démarches pour valider le visa, c'est-à-dire que vous partez avec un visa. Euh, par exemple, pour le cas colombien, si vous partez plus de, de si vous partez deux semestres, et souvent à l'arrivée dans le pays d'accueil, les services consulaires vous demandent de valider votre visa en ramenant d'autres papiers, par exemple que l'université partenaire va vous fournir. Donc ça, il faut vraiment aussi être euh, être vigilant et bien faire ces démarches dans les temps, au risque de, 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 de tomber ensuite dans l'illégalité dans le pays d'accueil. Donc ça serait dommage, éviter ça. Et dernier point euh, que je voulais vous mentionner, que je voulais aborder avec vous, c'était la fiche de suivi. J'aimerais mettre en place une fiche de suivi pour tous les étudiants qui partent en Amérique latine. Peu importe la faculté, même si moi je suis enseignante dans la faculté des langues, donc j'aurai un contact étroit avec les deux, trois étudiantes qui ont été sélectionnées. Mais pour les autres, j'aimerais avoir euh, une vue d'ensemble sur votre échange, un retour d'expérience qui me permettra par la suite et qui permettra aussi, aussi à Aurélie de mieux vous suivre et de pouvoir transmettre les informations que vous nous donnez euh, aux autres étudiants, aux futures générations d'étudiants qui vont vous succéder et qui vont avoir la chance de profiter de cette belle expérience. Donc cette fiche de suivi, on va l'élaborer avec Aurélie. Et on vous l'enverra au plus tard, de toute façon, euh, avant votre départ en Amérique latine. Donc, ce sera certainement au plus tard en juillet. Et vous devrez nous la rendre. Donc, euh, j'imagine que le plus, euh, le plus pratique, le plus simple et le plus efficace aussi, c'est que vous nous rendiez cette fiche euh, à la fin plutôt de votre expérience pour avoir le recul nécessaire pour bien remplir les catégories et que ce soit vraiment euh, le reflet de l'expérience que vous avez vécue sur place. Donc, euh, ne soyez pas surpris, si je vous écris, peut-être que ce sera Aurélie, peut-être que ce sera moi. Et ensuite, on va récolter ces fiches pour pouvoir les garder. Euh, elle vous a parlé peut-être, je ne sais plus, ou on vous a peut-être déjà parlé des, des, des rapports de la région Rhône-Alpes qui, à l'époque, pour, je crois que c'est encore le cas, pour donner le versement aux étudiants, faisait remplir une sorte de fiche de suivi. Donc ça, c'était une fiche très importante pour nous, et c'est eux ensuite qui la gardent. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est simplement faire une fiche qui soit équivalente pour pouvoir stocker. Euh, garder cette information de, qui est de valeur pour nous, qui vous aide, qui aide les futures générations à mieux euh, se préparer et pour leur donner des conseils pratiques, par exemple sur le logement, sur les difficultés que vous avez rencontrées, etc. C'est etc. toujours des informations euh, qui sont très utiles pour vous au moment de préparer votre départ. Donc euh, le but euh, de cette fiche de suivi, c'est celui-là, aider les futurs étudiants à mieux se préparer. Voilà. Euh, je re rends la parole à Aurélie. Merci. Euh, on va finir sur quelques recommandations. Euh, donc la première chose vous pouvez contacter les étudiants de Lyon 3 qui sont actuellement dans votre université d'accueil. Alors cette année va être un peu particulier parce qu'on il n'y a pas, y a pas euh, beaucoup d'étudiants qui sont, qui sont partis. Par contre, vous pouvez m'écrire euh, et me demander des contacts d'étudiants de Lyon 3 qui sont partis dans les années précédentes à l'université dans laquelle vous allez aller. Euh, sachant que euh, si vous me faites cette demande, moi, il faut que je leur demande leur accord pour vous transmettre leur adresse mail. Donc ça prend un petit peu de temps, des fois. Donc si vous voulez des contacts euh, d'étudiants sortants des années précédentes, n'hésitez pas à me le demander dès maintenant, mais je ne pourrais pas vous répondre tout de suite. Il faut, faut que je leur demande leur, euh, leur accord. Euh, donc vous pouvez également consulter les fiches pays sur l'intranet, donc sur Mieux connaître ma destination. Vous avez la FAQ qui est disponible sur le site internet de Lyon 3. Vous avez euh, aussi, une fois que vous arrivez sur place, vous pouvez demander à l'université partenaire. Des fois, il y a des buddy systems qui sont proposés si vous voulez être mis en contact avec des étudiants locaux. Euh, consultez les rapports de fin de séjour. Donc, ça, c'est ce que Julie euh, vient de, de vous dire. Euh, et sur place, vous pouvez aussi prendre contact avec l'Alliance française, le consulat et l'ambassade. Ensuite, bon, lié au contexte actuel, il faudra, euh, évidemment vérifier les conditions d'entrée dans votre pays d'accueil. Parce que ça peut être amené à évoluer. Enfin, tout, enfin, tous les jours, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici cet été. Donc on espère que vous pourrez tous partir et qu'il n'y aura pas de problème, mais malheureusement, on ne peut pas vous l'assurer. Donc sur les billets d'avion, il faut évidemment attendre d'avoir euh, votre lettre d'acceptation, mais il euh, faut aussi, dans tous les cas, prendre bien un billet remboursable à 100% parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, il est possible que les universités euh, ferment, il est possible qu'elles mettent leurs cours euh, seulement en ligne. Euh, et ça, il faudra voir avec votre faculté si c'est possible ou pas. Donc voilà, c'est une éventualité, euh, ne l'oubliez pas. Il faut bien l'avoir euh, en tête. Euh, évidemment, respecter en plus des, des règles de sécurité eh bien les consignes sanitaires. Avant la mobilité, bon. Sur l'Amérique latine, ça ne va pas vraiment vous concerner parce que vous allez partir plutôt avant le début des cours. Mais il faut bien, de toute façon, s'assurer que vous pourrez réintégrer les cours de Lyon 3 au cas où votre mobilité est annulée en raison de la crise sanitaire. Donc prévoyez bien cette option-là. C'est possible que ça se passe comme ça. Si, pendant votre mobilité, il y a une fermeture de l'université partenaire ou que les cours passent en ligne, il faut bien vous informer. Donc faites-nous bien un mail tout de suite parce que normalement, le partenaire nous écrit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans tous les cas, on aime bien avoir de vos nouvelles directement. Donc, s'il y a un changement lié à la situation sanitaire ou autre hein, d'ailleurs, hein, mais là, euh, c'est vraiment spécifique à la situation sanitaire. Pensez à nous tenir informés. Et continuez bien à suivre vos cours en ligne. Donc, en cas de rapatriement en France, euh, prévenez. Donc, ça, c'est pareil, il faut bien nous prévenir si s'il y a quoi que ce soit, font... si vous... Vous êtes rapatrié, donc moi et votre contact au sein de, de votre faculté. Il faut également prévenir euh, Annick Ferry qui s'occupe euh, des bourses. Et donc voilà, continuez à suivre vos cours. Ah, et ça aussi c'est important, pensez à prévenir aussi l'université partenaire si vous rentrez en France. Nous on le fait, mais c'est bien que vous le fassiez aussi. Voilà, du coup, je, on va passer aux questions. Donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions sur, sur le chat, on est là pour, pour y répondre. Quels sont les délais de demande de bourse Alors, ça, pour les bourses, encore une fois, vous recevrez euh, de toute façon euh, toutes les informations euh, fin mai. Il euh, faudra voir directement avec Annick Ferry. La bourse, elle sera versée euh, au début de votre mobilité, vous avez 75%, et après, il y a 25% qui est versé euh, à la fin. Il me semble que les 75 ils sont versés une fois que vous envoyez à Nick Ferry votre certificat d'attestation d'accueil oui, signé voilà, par le ça. partenaire. En fait, mmh. vous arrivez sur place, vous avez une attestation d'arrivée de, de, que vous devez faire signer par le partenaire, tamponnée avec le, le tampon officiel de l'université. Et je crois que c'est à partir de, de l'envoi de ce certificat tamponné et signé sur place, comme quoi, qui prouve que vous êtes effectivement à Mexico, à Bogota ou à Lima. Que ensuite, Madame Ferry va pouvoir débloquer les fonds. Donc, en tout cas, le premier versement, il ne sera pas avant votre arrivée sur place. Et donc, si c'est important pour vous, dépêchez de faire signer ce papier à l'arrivée et de l'envoyer au plus vite à Nick Ferry. Si j'ai fait mon master 1 à l'IAE et que actuellement je suis en année de certificat pro à cause du Covid, est-ce que j'ai le droit aux bourses Pas de bourse pour les certificats professionnels de, de l'IAE. Si. Par contre, je ne sais pas comment l'étudiant a posé la question, mais si vous êtes actuellement en certificat ah, pro et que vous partez l'année prochaine en mobilité, oui, vous aurez le droit aux bourses. Alors, si, si vous partez dans si le cadre de votre master 2. Oui, si c'est pour valider un diplôme, oui. Si là, en ce moment, c'est la parenthèse certificat de professionnalisation, non. Mais après, si c'est pour valider un diplôme, oui. Oui, oui, effectivement. Si c'est actuellement... Euh... Ouais. Bon. Euh, pour bon, confirmer... Votre... Je suis parti un an et demi à l'étranger avec Lyon 3. Est-ce que j'ai encore le droit à la... à la bourse de la région un an et demi J'ai pas compris la question. Alors, c'est une étudiante qui est déjà partie un an et demi à l'étranger dans le cadre de son diplôme avec Lyon 3. Donc, on n'a pas trop d'informations en plus, mais je suppose que cette étudiante est partie en licence, LEA, en deuxième année, en troisième année. Si vous partez dans le cadre de votre master, vous avez de nouveaux droits à la bourse, parce que les bourses, c'est pour, euh, pour un cursus. Donc, vous avez le droit à un certain nombre de mois à la bourse pour la licence, et après, c'est renouvelé dans le cadre de votre master. Euh, une autre question, vers quelle date en peu près reçoit-on les lettres d'acceptation Alors, pour les lettres d'acceptation, en fait, ça va dépendre des deadlines de l'université. Donc, euh, moi, je vais faire au fur et à mesure, en fonction euh, des ordres de priorité, en fait, pour tous les étudiants euh, d'Amérique latine et aussi d'Europe du Sud. Donc, vous n'allez pas tous la recevoir en même temps, évidemment, ça va, ça va vraiment dépendre. Donc, je ne peux pas vous donner de date, en fait, ça dépend. Quand est-ce que l'université partenaire a prévu une deadline Alors, évidemment, pour l'Amérique latine, je vais essayer de, de le faire le plus vite possible parce qu'il y a toutes les, les questions de visa. Euh, mais vous ne l'aurez pas tous, tous en même temps je ne peux pas vous donner une date. Mais dès que vous serez nominé, vous, vous aurez au moins la date de, à laquelle vous devrez envoyer votre dossier de candidature. Une fois que vous avez envoyé votre dossier de candidature à l'université partenaire, en général, ils sont assez réactifs. Dès qu'ils ont accepté votre dossier, ils vous la transmettent. Euh, pour le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le départ est en juillet, si j'ai bien tout compris, mais est-ce que c'est plutôt début, milieu ou fin du mois de juillet alors, ça, normalement, vous pouvez trouver les informations. Si vous allez, si, par exemple, si vous, si vous allez sur le site de l'université partenaire dans laquelle vous êtes, allé vous êtes affecté et que vous cherchez dans le, dans le moteur de recherche euh, Calendario Académico, normalement, vous le trouvez. Si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt mi-juillet, mais ça peut dépendre de quelques jours, quelques semaines d'université à l'autre. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt mi-juillet. Donc, il euh, faut vraiment prendre vos dispositions. Et donc, pour ces universités-là, en général, par exemple, pour l'Argentine, Pareil, d'expérience, on recevait les lettres d'acceptation en juin. Et le gros des lettres d'acceptation, en fait, on les recevait en juin, début juin plutôt si c'était pour les pays du cône sud, et plutôt mi-juin, fin juin si c'était pour les autres pays. Mais voilà, c'est d'expérience, là, je vous parle de fin, quand j'ai pu moi-même gérer cette zone il y a longtemps. Et donc, euh, peut-être que ça a un peu changé, mais dans tous les cas, vous allez toujours recevoir la lettre d'acceptation avant euh, de, le départ. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il ne faudra pas perdre de temps entre, entre la réception de cette lettre et la demande et faire les démarches pour obtenir le visa. Il faudra vraiment être réactif parce que tout le monde reçoit en général la lettre plus ou moins dans les mêmes délais et tout le monde fait ses démarches en même temps, donc après les places sont chères. Il faudra vraiment être réactif. Et de, dans tous les cas, plus vous, a, plus vous envoyez votre do dossier tôt auprès de l'université partenaire, si elle n'est pas débordée, elle peut effectivement être réactive et vous envoyer votre lettre assez vite. Donc c'est important de bien respecter les délais d'être réactif. À qui doit-on s'adresser pour poser des questions pratiques euh, sur le logement, le compte bancaire, l'abonnement Internet, etc. Alors ça, vous avez ben, plusieurs options. Déjà, vous pouvez demander à l'université partenaire. Pour le logement, des fois, ils ont euh, des services qui sont euh, là pour aider les étudiants à trouver euh, des logements. Vous pouvez également vous adresser, Donc, comme je vous l'ai dit, moi je peux vous fournir des contacts d'étudiants de, sortants des années précédentes. Vous pouvez leur demander comment ils ont fait euh, sur place pour toutes ces questions-là. Vous pouvez trouver donc des témoignages aussi, vous avez les rapports de la région qui, qui fournit quand même pas mal d'informations assez pratico-pratiques. Et voilà, c'est les options que, que, que je vois. Et, si et pareil, vous pouvez quand vous allez sur le site de l'université <coughs> partenaire. Donc vous, vous le savez peut-être pas parce que vous êtes à Lyon 3, mais en tout cas à Lyon 3, pour les étudiants étrangers, on élabore, on actualise un guide tous les ans qui s'appelle le guide de l'étudiant étranger ou guide de l'étudiant international. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc euh, c'est très probable que l'équivalent de ce guide existe dans les universités partenaires. Donc quand vous allez sur la page internationale de l'université partenaire, vous allez certainement avoir un onglet. Vous avez euh, donc soit en anglais, soit en espagnol, soit les deux. Guide et les studentes" international comme nous on fait eux en général ils font ils font soit l'équivalent soit même mieux que nous donc n'hésitez pas si vous l'avez déjà si vous l'avez pas déjà fait à aller sur le site de l'université partenaire chercher l'onglet international et vous allez certainement avoir un lien vers programme d'Intercambio. Donc, année d'échange, programme d'échange, et ensuite chercher Guia les Estudiante International. C'est quasiment dans la plupart des universités qui sont des universités privées. Euh, en général, vous êtes très bien encadrés ils ont ces outils à destination des étudiants étrangers, donc n'hésitez pas à les voir. Et après, si vraiment vous avez des questions plus pratiques, voilà, adressez-vous à Aurélie pour que, par exemple, ceux qui sont sur place vous donnent des informations actualisées. Et justement, pour rebondir sur cette question, ça sera l'objet de cette fameuse fiche de suivi. Euh, Qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine. Moi, je veux vraiment à, commencer à avoir un fichier actualisé euh, avec ces catégories pour ensuite pouvoir les transmettre, pouvoir demander, vous demander l'autorisation. Est-ce que vous êtes disposé à me donner l'autorisation de transmettre ces informations à ceux qui vont vous, ceux qui vont suivre Et donc après, de manière automatique, avec l'envoi du dossier de, de avec l'application form, on enverra, euh, on enverra cette information précieuse. Donc c'est aussi ça le but de, de pouvoir générer cette information et la transmettre à ceux qui vous succéderont. Les frontières en Amérique latine ont été fermées pendant quelques mois en début d'année. Si cela se reproduit, est-ce qu'on a une solution de repli pour notre mobilité ou pas du tout Si c'est une question de réaffectation. Si c'est si ça. La solution, ce sera de suivre de toute façon les cours à Lyon 3, parce que après, ça dépend du timing, en fait. Si c'est là maintenant tout de suite, on pourra éventuellement essayer de voir pour vous réaffecter, mais ça devient déjà quand même très compliqué, donc on ne peut même pas vous le garantir. Euh, si c'est euh, d'ici quelques mois, évidemment, on ne pourra plus vous affecter, puisque toutes les deadlines au sein des universités partenaires seront passées, de toute façon. Donc euh, votre solution, ce sera euh, de, de suivre les cours à Lyon 3. Je ne sais pas si tu veux compléter, euh, Camille. Il y a des facultés qui permettent la mobilité en ligne tout en restant à Lyon 3. Ça dépend des oui, 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 facultés Donc, si l'université partenaire le propose, ça peut être aussi une solution. Sachant que là-dessus, il faut être très vigilant pour la zone Amérique latine. Pour ceux qui ont été obligés de le faire parce qu'ils étaient. Euh, euh, donc, l'année dernière, ils faisaient leur mobilité en Amérique latine, ils ont dû rentrer en France. Si vous faites votre mobilité, si vous êtes rapatrié en France ou si vous ne pouvez pas aller là-bas et vous faites votre mobilité en Amérique latine en ligne, il y a le décalage horaire. Et suivre des cours de minuit à 5 heures du matin, ce n'est pas, pas évident. Donc ça aussi, il faut, faut, faudra bien demander si les horaires des cours, si c'est flexible, il y a aussi d'autres paramètres. Il y a j'ai eu des retours d'étudiants qui avaient eu beaucoup de difficultés au-delà de, du fait de suivre les cours la nuit. Il y a tous les travaux de groupe pour trouver des, des créneaux, etc. Enfin, Ce n'est pas évident de suivre des cours en ligne. Donc si vous choisissez cette option, déjà, il faut que votre faculté soit, soit d'accord. Mais au-delà de ça, prenez bien tout ça en compte. Parce qu'une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus revenir en arrière et dire, ben non, en fait, je veux rejoindre les cours à Lyon 3. Ce ne sera plus possible. Euh, donc on a une étudiante qui est en M1-LEACI. Elle demande si elle ne peut pas partir. Qu'est-ce qui se passe sachant que c'est une mobilité obligatoire. Alors là, il faut vous poser la question, Madame Pansini, parce que je pense qu'avec Denis Jamais, qui est celui qui s'occupe des relations internationales pour la faculté des langues, ils sont en train de penser à justement ce scénario. Donc, quid des, des annulations de départ quand les départs sont obligatoires Ça, écrivez euh, à Madame Pansini, qui est donc le contact relations internationales pour la faculté des langues. C'est elle qui centralise, elle qui peut vous donner les conseils. C'est ces fameuses personnes contact que vous devez bien noter, peu importe votre faculté, qui sont au plus près des équipes de direction et qui peuvent vous donner ces informations particulières. Donc pour la faculté des langues, je vous invite à consulter madame Pancini, Jacqueline Pancini, elle pourra certainement vous, donner, vous apporter une réponse. Dans le cadre du plan d'études, peut-on prendre des cours de facultés différentes par exemple du droit, des langues, de l'art, etc. Alors, euh, je me permets de répondre. Donc, euh, pour le plan de cours qu'elle vous a expliqué Aurélie, c'est que même si vous partez à l'étranger, vous validez un diplôme de Lyon 3. Donc, dans l'idéal, vous devez prendre des cours qui soient qui sont équivalents. Quand je dis équivalent c'est que ça ne sera jamais des cours identiques, parce que d'une part, ça n'aurait aucun sens de partir à l'étranger pour valider des cours qui soient enfin, identiques à, à celui de Lyon 3. Donc, nous, euh, en général, on a une marge de manœuvre quand on, a, on, on lit et qu'on accepte vos plans de cours. Mais après, si vous êtes un étudiant de la fac, des langues, on ne va pas vous valider un cours, par exemple, de civilisation espagnole par un cours de cuisine argentine. Vous voyez, faut il faut qu'il y ait quand même, euh, et je vous donne l'exemple, parce qu'on l'a déjà eu dans le passé donc c'est pas pour dresser une caricature, c'est simplement parce que parfois ça arrive donc c'est vraiment des cours qui soient équivalents donc par exemple moi je, je parle pour la faculté des langues, euh, par exemple c'est une, une fille, de, une, une étudiante de commerce international qui va partir et elle me dit bah voilà je devais suivre à Lyon 3 économie internationale et, et je suis en Argentine j'ai l'opportunité de suivre économie argentine, bah vous voyez bien que c'est pas la même chose mais ça va représenter une valeur ajoutée pour elle d'être en Argentine et de pouvoir avoir accès à ce cours là donc nous bien sûr on va lui dire c'est une très bonne opportunité et on va le valider. Euh, en ce qui concerne le nombre de choix de cours, ça peut varier d'une faculté à l'autre. Donc en général pour la faculté des langues pour valider vos 30 CTS, vous, vous êtes amené à valider de 4 à 5 cours par semestre, mais ça peut varier, je sais qu'à l'époque à LIAE par exemple, les étudiants de LIAE, ils prenaient que 4 cours parce que c'était des crédits qui étaient des cours qui étaient qui étaient un peu plus euh, un peu plus un peu mieux dotés en crédits locaux. Euh, donc, c'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez c'est qu'il n'y a pas d'équivalence entre un ECTS, un crédit européen, et un, 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 par exemple un crédit qui va être attribué dans une université argentine. Donc, plus que le nombre de crédits, ce qui compte pour nous, c'est combien d'heures vous allez suivre ce cours, combien de travail personnel ça représente, et ce qui nous permet en fait de savoir si on peut vous l'accepter comme équivalent ou non. Mais en général, vous allez suivre pour valider vos 30 ECTS par semestre, de 4 à 5 cours par semestre, et après pour le le Détail de cours par cours, il faut vraiment voir avec votre tuteur pédagogique. Donc là, ce n'est plus la personne forcément contact. Par exemple, Mme Jacqueline Pansigny, elle est administrative à la faculté des langues, ce sera votre contact administratif, mais ce n'est pas elle qui va vous dire, par exemple, non, là, ce cours d'économie argentine, ça va pas, il faut changer. Là, il faudra vraiment s'adresser au tuteur pédagogique, en tout cas pour la faculté des langues. Ou pour la faculté des langues, vous avez des tuteurs pédagogiques par zone. Pour les autres facultés, ça peut varier, je connais moins. Voilà. Alors, on a plusieurs questions sur les visas. Euh, combien de temps met-on pour recevoir un visa euh, Est-ce qu'on doit faire la demande dans les ambassades ou dans les consulats Et est-ce qu'il faut se déplacer à l'ambassade ou est-ce que tout se fait par mail Et euh, on a une autre étudiante qui nous demande s'il si est possible de partir au Mexique un seul semestre sans visa. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça avait été changé il y a 4-5 ans et a priori, c'était possible. Est-ce que depuis, ça a rechangé Je ne sais pas. Un Alors après, un semestre Ouais, c'est spécifique à chaque pays. J'avoue que j'ai pas les détails de chaque pays en tête euh, parce que évidemment ça ça évolue. Il faut bien euh, revérifier sur sur le site des gouvernements et des des ambassades. Enfin, vous avez toutes ces informations là. Il me semble que oui. Une Alors, oui. dans tous les cas, pour les visas, effectivement, ça va vraiment varier euh, d'un pays à l'autre. Ce qu'il faut, en général, c'est plutôt le consulat qui gère ça. Et en général, quand vous devez faire une demande de visa, dans la majorité des cas, il faut que vous vous déplaciez. Donc, en général, il faut aller à Paris euh, sur une journée. Et c'est justement pour ça qu'il faut prendre des rendez-vous en amont. Donc, ça, euh, c'est important de regarder dès maintenant pour avoir. Euh, toutes les informations par rapport à cette prise de rendez-vous pour le visa pour que dès que vous allez recevoir votre lettre d'acceptation, vous soyez opérationnel. Euh, N'allez pas prendre une prise de rendez-vous, par exemple, un jour où vous savez que vous avez un examen de rattrapage ou vous êtes occupé, parce qu'en général, c'est dur d'avoir un rendez-vous. Donc, quand vous obtenez un rendez-vous, il faut vraiment l'honorer, faire ça dans les temps. Mais ça varie d'un de, de, pays à l'autre, euh, donc il faut aller sur le site, bah, aller sur les deux. Ça peut varier aussi. À l'époque, c'était le consulat, mais ça évolue, pas, ça évolue euh, constamment. Donc, allez voir sur le site de l'ambassade ou du consulat. Vous tapez euh, échange académique, vous cherchez la section échange académique, et là, vous allez avoir les instructions. Donc, vous allez vous allez voir qu'en général, parmi les documents qu'ils vous demandent, il y a de manière nécessaire la lettre d'acceptation de l'université partenaire. C'est pour ça qu'en général, ils vous demandent de ne pas prendre rendez-vous avant d'obtenir cette lettre. Donc, ça fait partie des documents requis que vous allez devoir apporter pour qu'ils puissent, si vous avez besoin d'un visa, élaborer ce visa qui se fait, donc visa étudiant, qui vous permet de rester plus de six mois si vous partez un an. Est-ce que ce sont les universités qui déterminent nos dates de départ Si oui, avez-vous une idée de la période de départ ou d'arrivée sur place pour le Pérou Alors, euh, encore une fois, là, ça dépend au-delà du pays de l'université. C'est ce qu'a ce qu dit Julie tout à l'heure. Il va falloir que vous alliez sur le site Internet, que vous allez chercher ces informations parce que je n'ai pas tous les calendriers universitaires de toutes les universités d'Amérique latine en tête. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces informations sur leur site Internet si vraiment vous ne les trouvez pas. Vous allez recevoir de toute façon des, les informations de la part de l'université partenaire. Vous aurez un contact au sein de l'université. Vous pouvez aussi leur poser la question tout simplement ou me poser la question pour que je leur pose la question. Mais euh, voilà, normalement, toutes ces informations-là, elles sont accessibles en ligne. Non, mais sur, toutes les, sur tous les sites des universités partenaires dans laquelle vous avez été sélectionné, si vous cliquez euh, même sur, par exemple, Google, vous mettez, je sais pas, vous allez à la UDLAP au Mexique, vous mettez Calendario Académico UDLAP 2021, 2022. Et vous allez voir que vous allez trouver, ça fait partie des informations clés, tout comme nous, on a le calendrier académique disponible un an à l'avance pour nos étudiants français et étrangers. Donc ça, c'est aussi une information qui existe. Et donc, soit si vous la trouvez pas sur Internet directement, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur... L'onglet euh, Intercambio Académico de l'université partenaire. Et là, vous aurez certainement soit déjà le calendrier académique à jour pour l'année prochaine, soit celui de l'année dernière. Et en général, c'est toujours à peu près les mêmes dates pour Inicio des classes Donc ça vous permet de vous repérer. Sachant qu'il y a toujours en général une semaine d'intégration avant. Donc il faut arriver un peu avant la, la date de début des cours. Et après, certaines universités, comme j'ai dit tout à l'heure, proposent des, des, euh, des cours de langue intensifs. Si vous souhaitez prendre des cours d'espagnol intensifs avant votre arrivée, vous pouvez arriver encore un peu en amont. Des fois, ces cours-là, ils sont en ligne. Donc, ça, vous le recevrez de toute façon. Donc, déjà, allez sur les sites internet si vous ne l'avez pas déjà fait. J'espère que vous l'avez tous fait. Euh, et sinon, quand ils vous enverront votre mail de nomination, en général, ils le remettent, tous ces liens-là. Et de toute façon, dans la lettre d'acceptation que vous recevez de l'université partenaire, en fait, dans la lettre d'acceptation, il précise les dates de début et de fin de semestre, justement, pour qu'ensuite l'ambassade puisse vous faire votre visa qui corresponde à ces dates. Donc, cette information, vous allez la voir, mais je suis persuadée qu'elle est d'ores et déjà sur les sites si vous cherchez. Donc, faites là, ça c'est important pour vous de le savoir, et calculez euh, si vous voulez savoir à peu près combien de temps en avance vous devez arriver. Enfin, moi, je pense que minimum, c'est bien d'arriver de deux semaines à trois semaines avant le début des cours. Comptez une semaine pour l'intégration, la semaine d'intégration, et puis une semaine avant pour prendre un peu ses marques. Vous partez loin, vous allez, selon le pays où vous partez, quand même avoir un petit choc culturel. Donc c'est important quand même de, pour votre processus, processus d'intégration. Je pense que c'est bien d'arriver au moins deux semaines avant le début des cours pour vraiment prendre vos marques et vous sentir à l'aise avant de débuter les cours. C'est important. L'Université tech de Monterrey a publié qu'il conseillait aux étudiants étrangers de suivre les cours à distance et de ne pas voyager pour le moment. Est-ce que ceci est possible Peut-on commencer euh, la mobilité en ligne au premier semestre Alors ça, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça dépend des facultés. Il y en a qui... Il faut vous rapprocher de votre, votre faculté et voir s'ils si, 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 si l'accepte. Euh, et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les cours en ligne, si vous les suivez depuis la France, euh, faites attention au décalage horaire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, questions. non, c'est ce que... Par exemple, je sais qu'à la faculté des langues, ils ont refusé euh, oui. d'accepter ce, ce, ce genre de mobilité en ligne. C'est soit vous partez vous vivez pleinement l'expérience, soit vous restez ici parce qu'on estime, en tout cas à la faculté des langues, que... Euh, une partie importante de l'échange, ce n'est pas seulement la partie académique, c'est aussi la partie humaine. Et donc, ça vous met dans des situations insoutenables de suivre des cours en ligne d'université partenaire avec le décalage horaire. Donc, on a déjà eu l'expérience et on ne souhaite pas la renouveler, en tout cas à la faculté des langues. Donc, rapprochez-vous de votre faculté et ensuite, posez-vous vraiment la question de la valeur ajoutée de cet échange, euh, de suivre des cours en ligne simplement et de rester là. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être partir plus tard Est-ce que vous pouvez peut-être partir euh, de manière euh, non académique Et voilà, en tout cas, posez-vous les, bo les bonnes questions, parce que ce n'est pas anodin ce genre de décision. Alors, vous avez parlé du type de cours en Amérique latine. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus du type d'examen, s'il y a des modalités un peu particulières alors, euh, pas, j ai, j ai, enfin, moi personnellement, j'ai étudié dans une université en Amérique latine et je peux vous parler de ces modalités d'examen-là. Ça va peut-être vous éclairer parce que c'est une université partenaire. C'était euh, bah, à la Universidad de las Américas Puebla au Mexique. Donc, ça fait longtemps maintenant parce que ça fait plus de dix ans, mais je pense qu'ils n'ont pas changé euh, sensiblement les, les modalités d'examen. Bah, j'avais des travaux de, groupe, hein, de, donc, travaux de groupe comme ce que j'avais à Lyon 3 et ensuite des examens. C'était plutôt sous la forme du contrôle continu, pas trop. De, de partiel final. Euh, C'était plus soutenu en termes d'exigence... De, enfin, comment dire Il y avait plus de contrôle continu que ceux qu'on organise par exemple à Lyon 3 quand une matière est sanctionnée par un contrôle continu. J'en avais par exemple tous les mois, je devais rendre des petits devoirs, donc soit de groupe, soit faits en cours. Euh, après, euh, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, dans ces universités privées euh, au, au Mexique, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on travaille, il n'y a pas de raison euh, qu'on n'ait pas la moyenne. Ils il, il valorisent vraiment l'investissement de l'étudiant. Et comme je disais, vu que c'est des petits groupes, ils nous connaissent davantage. Donc, c'est aussi euh, plus possible de valoriser euh, la participation, l'investissement que quand on gère des gros effectifs, comme par exemple à Lyon 3. Donc, ça, c'est plaisant. Euh, en général, on est très bien reçu hein, en Amérique latine par, euh, par les, les enseignants. Ils sont contents d'avoir des étudiants internationaux dans, dans leurs cours. Euh, J'ai jamais eu de retour de difficultés par rapport à ça, donc. Euh donc, euh, a priori, tout se passera bien pour vous. Il faut, voilà, simplement enfin, travailler de manière régulière comme vous le faites à Lyon 3, et puis essayer d'établir les liens avec les Mexicains pour que, quand vraiment vous êtes perdu sur une notion, sur un chapitre, ils puissent vous aider. En général, ils le font bien plus ouvertement que nous on le fait avec les étudiants étrangers ici. Et du coup, j'en profite pour, pour rappeler que vous pouvez demander des contacts, des anciens sortants. Donc, si euh, vous pouvez aussi poser ces questions directement à des étudiants qui étaient, donc, bon, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. On a plusieurs questions sur les visas par rapport aux étudiants qui vont faire un échange au premier semestre et qui doivent faire un stage au second semestre. Est-ce qu'ils doivent demander un working visa pour l'année entière Est-ce qu'ils doivent demander deux visas différents s'ils si veulent faire leur stage dans le même pays que la mobilité Comment ça se passe Alors, ça, c'est typiquement une question qu'il faut adresser à l'ambassade parce que ça change souvent et ça change vraiment d'un pays à l'autre. Donc, euh, par exemple, à la différence des États-Unis, euh, où je sais que le permis, enfin de, le visa étudiant permet de travailler, à l'époque, peut-être que ça a changé. Moi, au Mexique, mon, mon, mon visa étudiant ne me permettait pas de travailler. Il me permettait simplement d'étudier parce que j'avais un visa étudiant. Alors, ça, peut-être que ça a changé. Il faut se renseigner. En tout cas, c'est vraiment une question que vous pouvez adresser à l'ambassade et je vous conseille d'écrire dès maintenant à l'ambassade parce que ça, ça ne dépend pas de l'acceptation. C'est vraiment une question. Euh, pour vous renseigner, donc il faut, 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 faut leur écrire et armez-vous de patience parce qu'en général, ils mettent du temps à répondre. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire dès maintenant. D'autres questions? On attend encore un tout petit peu. S'il puis... n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ça n'a pas l'air Non Bon. Et... Oui. Moi, j'avais quelque chose à rajouter, pardon. Ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais pendant votre échange universitaire, vous avez une difficulté, ça peut arriver, comme ça peut arriver quand vous êtes en France. Il faut surtout, euh, surtout, surtout vous rapprocher de l'université partenaire et pas rester dans votre coin parce que parfois on est un peu isolé, vous allez être à des milliers de kilomètres. Mais en tout cas, sachez que nous, on, reste, on va rester disponible pour vous. Donc, votre réflexe, si vous avez bien sûr des changements de cours, etc., euh, qui évoluent par rapport au choix de cours qui a été validé initialement, il faudra, ça l'a bien rappelé Aurélie, euh, vous rapprocher de l'université, de votre tuteur pédagogique, de votre faculté. Donc là, c'est vraiment pour l'aspect pédagogique, mais sachez aussi que si vous rencontrez un problème personnel que peut-être votre intégration se passe mal, on ne sait jamais. En tout cas, quoi que ce soit que vous avez des problèmes de santé, c'est très important qu'on soit au courant pour qu'on puisse vous aider et pour qu'on puisse maintenir un contact fluide avec l'université partenaire. Donc vous n'hésiterez pas si jamais vous rencontrez le moins de souci. Bien sûr, à contacter d'abord à contacter l'université partenaire parce que c'est celle qui sera le plus proche de vous et qui pourra vous aider plus immédiatement. Mais nous, on reste vraiment le relais ici. Donc vous n'hésiterez pas à contacter à la fois Aurélie et moi-même. Uh... Si jamais vous rencontrez une grave difficulté, enfin, que vous avez besoin de nous, on reste, on reste à vos côtés, même si on est loin. Euh, de même, si vous voulez nous donner des nouvelles pour nous faire part de quelque chose que, qui vous semble important de communiquer au futur sortant, n'hésitez pas à faire ces démarches-là. Euh, C'est aussi l'objet de la fiche de suivi. Mais voilà, enfin, nous écrire, nous donner de vos nouvelles, parce que nous, les universités, on les connaît. Euh, souvent, on les a visitées, on a des contacts réguliers avec elles, mais on ne peut pas être en permanence au courant de tout ce qui se fait sur les nombreux campus partenaires qu'on a en Amérique latine. Donc si vous jugez utile de nous transmettre une information, faites-le. Euh, nous, ça nous servira et ça servira à mieux préparer ceux qui vont vous succéder. Donc vraiment, faites-le. Pas d'autres questions entre-temps Il y a une dernière question euh, sur les bourses de mobilité quand on fait la mobilité en ligne. Euh, par exemple, si on fait le S1 en ligne et qu'on reste à Lyon pour le S1 et qu'on part après en mobilité pour le S2, est-ce qu'on touche la bourse pour l'année ou est-ce qu'on touche la bourse pour un semestre, un semestre Oui, oui, non, il n'y a pas de bourse si vous êtes à Lyon 3. Vous touchez la bourse seulement si vous êtes sur place. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Du coup, bah, je vous dis à bientôt hein, parce qu'on va vous suivre tout au long de, de votre mobilité. Et félicitations encore à, à ceux qui, qui ont été sélectionnés. Merci pour votre présence. Hasta pronto.